Okay, welcome everyone to this DHS2 annual conference. Vous êtes tous les bienvenus à cette conférence, cette session sur le paludisme. Comme vous pouvez le voir, nous avons un emploi du temps assez chargé et des présentations assez intéressantes à parcourir. Et je pense voilà, que nos participants qui vont présenter sont là avec nous. Donc, merci, nous avons des exposés intéressants sur le paludisme et les documents sur les implémentations dans certains pays en matière, en ce qui concerne DHIS2 dans les pays. Donc, nous allons commencer avec une vue d'ensemble concernant les solutions numériques pour l'élimination du paludisme. J'espère que vous pouvez voir l'écran. Donc, comme je dis, les solutions numériques pour l'élimination du paludisme sont abrégées DSME. Et on va parler de ce sujet, mais n'oublions pas que ça vient d'une initiative de partenariat avec l'Université d'Oslo, l'OMS et le Clinton Health Access Initiative pour ne parler que de ceci. Maintenant, nous allons parler du développement de DHIS2 en matière de DSME. Donc, nous allons commencer avec l'analyse qui a été faite il y a de cela quelques années et du système de surveillance. Il y a un certain fossé entre les systèmes d'information et les outils numériques et nous voyons que nous essayons de résoudre ces différents problèmes et de failles en matière de surveillance de paludisme. Donc, certains des objectifs, c'est de renforcer ce système à travers l'amélioration de solutions numériques pour DHIS2, les outils numériques et d'autres outils utilisés et aussi nous focaliser sur l'utilisation de ces outils dans ces pays et nous en parlerons plus tard dans la session et aussi la manière dont ces outils peuvent être utilisés pour facilement mettre en œuvre les initiatives. Aussi, la communauté de pratique qui est une communauté virtuelle d'environ 29 vendeurs de logiciels et aussi plusieurs autres utilisateurs qui partagent leurs leçons tirées de l'utilisation de la plateforme. Donc, en matière de gestion de projet pour le Clinton Health Access Initiative, il y a la gestion des livraisons et des délais, la coordination entre l'implémentation et les équipes d'implémentation et les impliques techniques, la coordination des partenaires et la gestion des fonds, des contrats et aussi les rôles administratifs. Donc, en ce qui concerne l'OMS et l'Université d'Oslo, c'est la coordination et la gestion des livraisons et la coordination des partenaires. Très rapidement, en ce qui concerne la pratique, les délais, on a commencé avec un processus de consultation où il y avait un recueil des exigences avec les PME, les implémenteurs et les programmes des pays, l'OMS, et aussi nous sommes partis dans 4 pays pour choisir les ressources mobiles pour pouvoir supporter ce programme. Ensuite, nous avons commencé à améliorer les différents outils à notre disposition et nous avons testé les différents packages à notre disposition aussi. Présentement, notre délai, c'est que d'ici 2021, on devrait s'occuper des différents éléments qui sont à droite de notre écran. Qui sera en charge du suivi des différentes activités dans les pays. Comment est-ce qu'on a recueilli les données? Il y a eu des processus de surveillance dans les pays.
et nous avons aussi rencontré aussi des différentes difficultés après avoir fait la surveillance du paludisme. Aussi, nous nous sommes focalisés sur l'amélioration de la plateforme web de DHIS2 et de la version Android de DHIS2. Ces diapos seront mis à votre disposition, seront mises à votre disposition sur la plateforme de la communauté de pratique. Donc, nous, il y a un groupe de partenaires qui travaillent avec nous, avec qui on partage les expériences et on discute. J'aimerais qu'on se focalise aussi sur les fonctionnalités ajoutées sur la plateforme DHIS2 web et la plateforme Android. Il y a au moins 6 versions qui sont mises à votre disposition depuis la version 2.31 à 2.36 durant 3 ans. Et les projets DSME ont permis à DHIS2 de pouvoir atteindre les exigences en matière d'éradication de paludisme à travers différentes aptitudes de capture et d'autres programmes. Nous avons aussi, comme vous pouvez le voir, la gestion des tâches, l'amélioration des cartes, les modèles de relations, l'utilisation des applications analytiques, aussi l'amélioration de notre tableau de bord, et même l'amélioration des fonctionnalités de données. Donc, voilà quelques exemples des différentes améliorations que nous avons connues au travers les six versions de DHIS2. Il y a plusieurs fonctionnalités de cartes comme les polygones qui sont utilisés dans nos cartes pour pouvoir mieux gérer certaines implémentations, comme c'était le cas avec la COVID-19 dans différents pays, où c'est très générique sur l'application, mais on peut les spécifier plus tard. Ici, on peut voir un exemple d'une carte qui est en train de montrer comment est-ce qu'on a codé le paludisme, la nouvelle femelle falciforme, à la gauche de l'écran, par exemple. Aussi, avec la version Android, depuis la première version et l'application de capture, il y a eu plusieurs fonctionnalités qui ont été développées, qui ont été améliorées depuis le début jusqu'à maintenant avec nos partenaires, y compris les icônes et les couleurs qu'on peut voir à gauche et aussi les tableaux d'analyse et indicateurs pour les cas de paludisme. Et plusieurs cartes ont été améliorées, comme on était en train de le dire. On en avait parlé plus tôt dans la semaine. On a trouvé le moyen de pouvoir visualiser aussi les relations entre les différents cas que l'on découvre. Et aussi, ça nous permet de pouvoir naviguer sur les différents types de cartes. Les perspectives, les prochaines étapes, c'est toujours le développement des outils DSME dans les pays. Et ensuite, il faut trouver le moyen de pouvoir suivre les différentes situations en matière de paludisme. Donc, je vais passer la parole au premier orateur qui va nous parler de son sujet qui commence très bientôt. J'espère que vous pouvez voir l'écran partagé. There we go. Much better? Perfect. Thank you. Go ahead. Je crois que nous pouvons commencer. Bon après-midi, pardon. Je m'appelle Mwalenga Ngepumba. Je vais parler du package
de l'OMS pour l'éradication du paludisme. Comme nous savons tous, la surveillance est une intervention de base en matière de stratégie mondiale, surtout quand il s'agit de transformer le système de surveillance. Le continent est en train de tout faire pour pouvoir enlever le paludisme de son ventre. Donc, il y a plusieurs actions qui sont menées pour pouvoir éliminer cela et faire un suivi de tous les cas pour être sûr que chaque cas est traité, suivi pour éradiquer l'infection. Donc, à travers les guides et les recommandations, l'OMS a mis sur pied des normes mondiales et des guides normatives. Juste pour nommer quelques-uns, les voilà à l'écran. Donc, on a travaillé avec les équipes de suivi et il y a des manuels pour les insecticides qu'on peut voir aussi à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a dans ce module proposé pour le paludisme? Nous voyons deux éléments clés qui sont basés sur les données agrégées et les données de cas pour améliorer les la qualité des données, l'analyse des données et aussi faciliter la prise de décision. Donc, il y a des éléments standards et indicateurs qui sont mis dans le système DHS2 pour mieux faire les analyses. Donc, pourquoi est-ce que c'est fait? Nous avons découvert qu'il faut réduire les informations dupliquées et assurer la fiabilité de données qui sont recueillies pour pouvoir s'assurer de l'authenticité des données qui sont collectées par nos éléments sur le terrain. Donc, cela est utilisé comme un guide pour que les pays puissent mesurer les données et pouvoir voir, comprendre les données, les outils qui sont utilisés pour pouvoir récupérer les données et identifier les fossés qu'il y a entre les systèmes de recueil de données qui existaient sur le terrain et ceux qui sont mis sur pied par l'Université d'Oslo. Maintenant, en ce qui concerne le tableau d'analyse, nous avons vu que la communauté pratique a contribué à l'amélioration des fonctionnalités pour être sûr et mesurer les données de manière sûre et précise. Ensuite, il y a les données, les matériaux de formation, donc les documents qui seront disponibles en anglais et en français. Et il y a aussi le module qui sera mis sur pied pour les utilisateurs. Le module de paludisme est intégré dans les outils de surveillance de l'OMS pour qu'on puisse l'utiliser pour la RMNCH, la tuberculose, le VIH, pour ne citer que cela. Donc, quel est ce package qui est basé sur les cas de paludisme mis sur pied par l'OMS? Je ne vais pas entrer très longtemps dans les détails à cause des contraintes de temps, mais ce module a deux composantes. Il y a la notification de cas et l'investigation de cas et la focalisation sur les cas par enquête. Première étape, il y a l'enregistrement des patients. Deuxièmement, il y a le diagnostic, la confirmation et le traitement. Et ensuite, nous avons l'investigation des cas et puis l'investigation des données. Nous avons vu qu'il fallait trouver le moyen pour que les pays puissent adopter les différentes pratiques que nous avons mis sur pied et nous en parlerons lors des prochaines présentations. Dans ce programme, vous avez comment enregistrer les données concernant la naissance, la nationalité, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité. Et ensuite, il y a les indicateurs où on va mettre résumer le cas en disant l'âge du paludisme, c'est-à-dire en quelle année est-ce qu'on l'a découvert. Après, nous avons les dates sur la confirmation de cas et puis les différentes dates auxquelles les étapes, les informations sont recueillies. Ensuite, nous voyons
l'investigation des données et la coordination des événements. Et puis, on se demande où est-ce que on a découvert la maladie en voyant si c'est parce que les gens ont voyagé ou ça vient des districts ou des villages. Ensuite, la classification des cas. La dernière étape, c'est de pouvoir investiguer, faire des enquêtes sur les cas dans les foyers pour pouvoir améliorer la qualité des données lorsque on jette un coup d'œil à toutes les étapes et à tous les cas et on procède à la surveillance. Ensuite, en ce qui concerne l'enquête des foyers, c'est aussi une étape cruciale et ensuite, à la fin de toutes ces activités, nous avons la classification finale qui entre en jeu. Nous avons un petit problème de réception du discours original. Donc, veuillez comprendre. Ensuite, il y a les relations entre les cas qui sont aussi investiguées pour pouvoir voir qui a d'abord transmis la maladie à l'autre. Pour les enquêtes, une des fonctionnalités développées à travers l'application permet de pouvoir mettre les limites sociales. Ensuite, notre enquête focalisée a aussi ses indicateurs et ses délais d'entrée de données. Et dans les indicateurs, il faut plus ou moins faire un résumé. Et ensuite, on voit que toutes les autres étapes sont encore répétées dans cet aspect. Et l'aspect suivant, c'est la caractéristique du focus qui peut changer depuis la dernière investigation et aussi nous essayons de voir la résistance des insecticides du cas qui a été enregistré et ensuite la classification des focus qui vient et entre en jeu pour voir le temps est-ce que cela a commencé et quand est-ce que ça s'est terminé. Ensuite, après avoir mené son enquête, on essaie de voir quel genre de réponse est-ce que nous avons dans cette partie concernant la transmission de paludisme. Donc, voilà en quelque sorte ce à quoi est-ce que ces outils nous aident, les différentes fonctionnalités que cela a. Et ce que les gens aiment bien savoir, c'est l'accessibilité. Donc, est-ce que cet outil sera disponible pour que les pays puissent l'adopter et augmenter le processus de surveillance dans les zones où le paludisme est présent, sont présents? Donc, d'ici la fin de juin, nous croyons que ce sera disponible et nous aurons ensuite les sessions de formation pour pouvoir les implémenter. S'il y a des exigences, les demandes des pays pour pouvoir avoir ce package, vous pouvez informer tout un chacun que nous sommes en train de finaliser les matériaux de formation. Donc, nous continuons aussi de travailler avec les partenaires et les donateurs pour pouvoir maintenir ces outils pour qu'à part l'OMS, on puisse continuer de gérer cette application et apporter des améliorations tout en écoutant les recommandations qui viennent de nos utilisateurs. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. On a ajouté le lien à la communauté de pratique pour pouvoir poser des questions sur la communauté de pratique. Vous pouvez voir cela dans le chat. Maintenant, nous allons donner la parole à Lucia qui va nous présenter son module. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez très bien? OK. So, I'll switch on my camera as well. Je vais allumer la caméra. Bonjour, je suis Lucia Fernandez. Je vais vous présenter les modules standards de DHS2 en matière d'entomologie et de contrôle des vecteurs. Donc, comme le président orateur l'a présenté, il y a cinq modules dans le package de DHIS2, mais ici, nous allons parler spécifiquement
d'un seul module qui permet de collecter les informations sur l'intervention et aussi sur toute surveillance d'activité d'entomologie. Notre idée est de transformer les données d'entrée d'entomologie et de lutte antivectorielle. Et il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles dans les pays, dans différents formats. Il y a certains qui sont sur papier, certains qui sont dans Excel, mais il n'y a pas beaucoup d'analyse, de capacité d'analyse, donc on n'a pas pu bien analyser ces données. Donc, ces données sont restées sans être utilisées. Donc, nous avons développé ce module pour pouvoir aider les pays à collecter et produire des données d'entomologie de lutte antivectorielle. Donc, nous avons essayé d'intégrer cela à tout type de données qui sont pertinentes pour pouvoir contrôler et éradiquer le paludisme, pour pouvoir centraliser toutes les données qui existaient sous format papier ou format Excel et mettre tout cela dans un seul système pour pouvoir l'analyser. Aussi, nous avons à la fin mis sur pied cela pour pouvoir faciliter le reporting des données sur le plan mondial. Donc, ça nous permet de pouvoir surveiller la croissance de cette maladie et donc ça nous facilite le reporting des données. Donc, il y a certains outils qui sont mis sur pied pour pouvoir faciliter cela. Comme le président orateur l'a dit, il y a tous ces modules-là ont été développés en se basant sur les recommandations des HES2. Voici les différents documents que vous pouvez trouver, dans lesquels vous pouvez trouver les recommandations sur la collecte des données ou pour la suivi des interventions. Présentement, les modules couvrent la plupart des activités qui sont conduites, mises sur pied en matière de lutte antivectorielle. Cela consiste en la distribution des moustiquaires, entre autres, après le suivi des différents résiduels et aussi le monitoring ou le suivi des insecticides pour voir quel type d'anophèle est résistible, peut résister, pardon, aux différents insecticides à notre disposition. Donc, maintenant, pour les types de programmes, comme cela a été mentionné, il y a différents niveaux de détails. Donc, nous avons commencé de donner différentes options à nos différents partenaires pour les différentes activités. Là, vous voyez les options en matière de collecte de données au milieu du tableau. Et c'est un moyen de pouvoir avoir les résultats pour la sensibilité, campagne de sensibilisation aussi. Ça nous permet de pouvoir collecter des données parmi ces différentes campagnes de sensibilisation. Et nous avons aussi des informations sur les structures des différents établissements sanitaires. En se basant sur les expériences dans les pays, nous voyons que certains sont en train d'implémenter ces différents outils, sont en train de nous faire des retours concernant les modules qu'on peut étendre, les autres modules qu'on peut mettre en place selon leurs requêtes. Donc, c'est le travail toujours en cours. Vous verrez toutes les mises à jour sur notre site. Nous avons plusieurs modules en matière de suivi aussi et ça leur permet aux pays de pouvoir collecter les données. Et nous avons des modules pour les données en matière de moustiquaires individuels et même les données que nous prenons des laboratoires. Donc, voici un exemple de module, juste un seul dont je veux parler, la manière dont on arrive à suivre les activités. Il y a ce que vous pouvez voir ici à l'écran. Les ressources peuvent être collectées dans DHIS2 à travers ce tableau que vous voyez en haut à droite. Et aussi, nous procédons à l'enregistrement de ces informations pour pouvoir voir les différents types de moustiques qui existent et voir quel type de moustique qui peut résister à différents types d'insecticides. Et ces différents moustiques que nous étudions, que nous essayons de faire reproduire, sont envoyés dans des laboratoires pour être étudiés et nous faisons des analyses de ces moustiques-là et nous mettons nous essayons de rentrer leurs résultats dans le DHIS2. Donc, DHIS2 essaie de
mettre ensemble les activités sur le terrain et les activités dans les laboratoires. Donc, vous pouvez voir ici les différentes cartes concernant le tracking des résultats que nous avons. Ensuite, vous voyez le tableau sur la surveillance des vecteurs de moustiques. Donc, je crois que voilà ce dont il est question, mais je veux rajouter que nous n'avons pas beaucoup à ajouter. Nous n'avons pas configuré tous les modules, mais nous avons des applications qui ont été mises sur pied autour des modules pour pouvoir faciliter l'implémentation. Premièrement, c'est l'outil qui permet de faciliter l'utilisation de ces modules au niveau national dans les pays. Et le deuxième, c'est MD-Sync, qui est une application qui est là pour aider les modules à toujours rester à jour et on peut l'utiliser comme métadonnées. Il y a aussi une troisième application qui est aussi utilisé. Si vous voulez une présentation sur cette application, vous allez voir cela dans le demain lors de la compétition d'application. Et en quatrième point, il y a le fait qu'on essaie quand même que les différents pays puissent utiliser les applications qui sont développées, mais nous sommes au courant qu'il faut une certaine formation pour que les différents pays puissent utiliser ces modules. Ensuite, comme je disais, la dernière implication permet de pouvoir gérer plusieurs données à la fois, que ce soit des données historiques ou des données réelles en temps réel. Donc, ça permet de pouvoir gérer ces données-là et les utiliser de manière efficace. Et un dernier point, il y a la plateforme qui permet de pouvoir faire le reporting des données et à l'OMS et aux donateurs. Je crois que vous pouvez voir le screenshot de l'application ici. Nous essayons de fournir des formations sur DHIS2 pour pouvoir mieux gérer ce module. Nous allons le présenter demain, mais c'est une application qui a besoin de tutoriels ou de plusieurs tutoriels pour pouvoir mieux comprendre comment cela fonctionne et l'utiliser et l'appliquer comme cela se fait avec DHIS2. Nous avons mis sur pied des modules personnalisés, des tutoriels personnalisés pour que vous puissiez aussi suivre comment est-ce que chaque étape peut être suivie. Aussi, nous avons essayé de traquer le progrès de l'utilisation de ce module DHIS2. Cela va au-delà des différents modules de base de DHIS2, mais parce que cela contrôle les agents vecteurs avant même de la création des différents packages. Plusieurs pays ont des éléments de données qui sont intégrés dans leurs établissements sanitaires pour pouvoir faire le reporting de certaines activités. Certains de ces pays utilisent le modèle standard et d'autres n'utilisent pas le module standard. Si vous partez sur la carte, vous pouvez voir les détails de chaque pays et de voir ce que chaque pays est en train de faire en matière d'utilisation de ce module-là. Finalement, j'aimerais rappeler que ça, c'est un travail de groupe. Nous ne faisons pas cela tout seul. Il y a plusieurs participants, plusieurs partenaires qui ont contribué à cela. Nous avons PMI qui a contribué pour les métadonnées. Et nous travaillons aussi pour pouvoir mettre sur pied l'interopérabilité et le module pour pouvoir facilement faire le reporting des données au ministère de la Santé du pays, entre autres. Et nous avons aussi certains collaborateurs qui essaient de mettre sur pied et suivi des métadonnées ITN. Et notre prochain orateur va essayer de présenter le cas de Mozambique et le cas de la Namibie et où nous avons utilisé ces modules-là pour que vous compreniez mieux. Et dernier point d'implémentation des packages, il faut que tous les utilisateurs des DHIS2 puissent
contribuer au développement de l'application parce qu'en l'utilisant et avec le feedback, on peut trouver le moyen de mieux l'améliorer. Donc, voilà plusieurs liens. Si vous avez besoin de plus d'informations, nous avons des vidéos, nous avons des sites avec plusieurs informations en français et en anglais et vous avez les liens pour l'application qui inclut les tutoriels, etc. Et comme je disais, tout ceci a été fait pour améliorer l'utilisation des données d'entomologie et de la lutte antivectorielle. Donc, il y a plus de ressources qui sont mises en œuvre pour pouvoir collecter les données et nous essayons de les utiliser pour pouvoir éradiquer le paludisme dans le pays. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et on va essayer de les répondre ou vous les mettez sur la communauté de pratique. Maintenant, nous allons aller au prochain présentateur qui va nous parler de certaines implémentations dans les différents pays. Yes, I think so. A little bit low sounding, but le son est très bas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Merci de prendre part à cette session. Je m'appelle William Alenitz. Je vais partager aujourd'hui sur l'implémentation de DHIS2 depuis Honduras au Panama. Je vais commencer avec l'Honduras. L'implémentation nationale de DHIS2. DHIS2 a été adoptée en 2017 pour combattre le paludisme. Et cela a eu à faire un travail énorme pour établir le DHIS2 dans le système national de santé. Après cela, j'aimerais mentionner que c'est une implémentation nationale dans 20 régions du pays. Et maintenant, DHIS2, l'implémentation dans le système national de système de santé. Alors, nous avons eu différents modules qui vont au-delà du paludisme. Et j'aimerais dire, dans le contexte du paludisme, nous avons la notification des cas, l'investigation des cas. Également, ce module-là, nous avons les résultats de laboratoire. Nous travaillons également avec le ministère de la Santé pour avoir l'entomologie et les vecteurs de contrôle de la maladie dans le système DHS. Maintenant, nous sommes avec DHIS2 Core 2.4.4, également plus d'explications Android de DHIS2 Android Capture de 2.1.2. Nous travaillons avec plus de 60 systèmes mobiles pour l'entrée des données. Et cette implémentation a été premièrement instigé dans le système de lutte contre le paludisme dans le pays. À l'expérience, jusqu'alors, je vais partager certains sites et certains défis. L'un des succès que nous avons eu, c'est que nous avons pu intégrer cela et cela a été adopté par le pays dans le système national de gestion sanitaire qui assure le suivi. Ce n'est pas juste contre le paludisme, mais contre le VIH-Sida, contre beaucoup de maladies. Et c'est un système qui a été vraiment adopté de façon électronique et également par le système de formulaire qui a été mis en place pour chaque patient pour collecter les données. Un autre succès, c'est que le ministère de la Santé
et ils font des mises à jour régulières de la plateforme afin de profiter des nouveaux avantages. Ces nouveaux développements sont conçus d'abord pour simplifier la fluidité de travail, pour automatiser le système, pour avoir une meilleure visualisation et avoir également de meilleures règles de visualisation et plusieurs options qui s'offrent par moment. Les mises à jour que nous avons au fur et à mesure expérimentées dans le projet des DHIS2. Également, ils ont décidé également d'intégrer le système là. Donc, on n'a plus à dépendre de trop de logiciels. Nous travaillons avec les tableaux de bord pour pouvoir améliorer ce système afin de produire des rapports automatiquement. Nous avons eu quelques défis que nous allons mentionner, c'est-à-dire l'incapacité de s'adapter, de simplifier les procédures par moment. Nous devons également améliorer la documentation. Comment est-ce que nous pouvons faire le travail de plus rapide pour avoir un résultat plus performant? L'un des défis majeurs également, c'est que il y a une limitation des infrastructures et la connectivité dans certaines régions. Il y a également un problème de synchronisation des données. C'est quelque chose que nous essayons également de voir comment nous pouvons remédier à cela. Nous devons également continuer à améliorer le système des données. Alors, sur la base des expériences, alors les succès que nous avons eus, c'est que nous avons eu à mettre en place l'adaptation des formations pour pouvoir mieux utiliser ce qu'on appelle le Moodle. Également, nous avons également mis en place plus de soutien, plus de formations pour pouvoir utiliser l'application Zoom avec les portables. Également, l'intégration des informations géographiques pour les cas du paludisme que nous avons eu à collecter au fur et à mesure. Le défi que nous avons eu par moment, c'est que nous avons eu à être limités par la technologie. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas familières à la technologie dans certaines régions. Nous avons également une rotation vraiment considérable des ressources humaines. On a aussi besoin d'un nouveau personnel qui doit être formé. Également comme défi, il y a eu la continuité de l'équipe technologique. Le pays. Alors, maintenant l'implémentation du DHISBO Panama. Vous avez le Panama avec son ministère de la Santé a dû à mettre en place un centre de contrôle des données et également des outils de collecte. Et également DHISBO a eu à mettre en place un développement, c'est-à-dire pour tester et valider certains systèmes qui ont été approuvés. Alors, dans la zone de Comarca Gabé, nous avons eu à faire un système d'entrée des données et l'énumération des différentes collectes des analyses. Alors, en vue de mettre en place ce module Q3 2021, nous avons eu à former des gens qui peuvent être prêts à attaquer 3 régions supplémentaires. Et maintenant, plus améliorer le système DHIS2 Core 2.36.1, également le système Android de l'application DHIS2
Android Capture 2.4.1. Et à l'avenir, les perspectives, nous voulons également distribuer le BetNet, c'est-à-dire l'application qui permet également de faire cela et également évaluer et superviser la transmission des données de par moment. Alors, jusqu'à là, au Panama, nous pouvons mesurer le succès avec, disons, 72% de succès depuis l'introduction de l'utilisation de DIH2 et HIS2 dans le processus. Nous avons eu à enregistrer un score important et de façon générale, nous avons eu à avoir des outils qui nous ont servi d'aide et cela nous a évité d'utiliser trop la documentation papier qui nous a facilité le travail sur le terrain et cela nous a permis également de réduire le risque de perte des données. Alors voici quelques défis qui ont été surmontés facilement avec l'utilisation de DHIS2 afin que l'accessibilité de l'information soit disponible à tout un chacun par moment. Et parce que nous savons la nécessité de mettre en place ce système. Pourquoi? Parce que les formulaires, les données peuvent se perdre rapidement. C'est la dernière diapositive. Alors, nous avons également pu faire des interviews au niveau des différents opérateurs et voir comment est-ce que nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé, non seulement pour combattre le paludisme, mais également pour étendre cela de façon générale aux différentes régions. Mais le défi, c'est que nous avons un manque de connectivité et nous avons un manque de disponibilité de données Internet que les gens n'arrivent pas à se procurer et l'énumération est également très faible. Il faudrait que nous puissions inclure les formations sur le terrain, également mettre plus de temps à faire ce projet de façon plus aiguë. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup, Willy. Alors, nous allons suivre certaines présentations de la Namibie et du Mozambique. Merci. Thank you very much for this. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, parfaitement. Je m'appelle Itola de Namibie. Je travaille avec le centre de contrôle des données, également le centre de surveillance en charge de la collecte des données, et également faire le suivi des analyses de DHIS2. Donc, la Namibie est un pays dans la partie sud de l'Afrique avec la partie du nord qui est vraiment sous l'emprise du paludisme. Donc, nous sommes en train de voir comment éliminer le paludisme en améliorant le système de surveillance qui fait partie de notre stratégie nationale. Alors, le système d'information DHIS2 de lutte contre le paludisme a été introduit en 2017 pour pouvoir donner une plateforme de collecte de données de façon fiable en vue d'informer les différentes opérationnels et mettre en place des options pour une intégration future. Alors pour la Namibie, dans l'implémentation de ce système, initialement, nous avons eu
Depuis le début que nous avons commencé, les modules ont été introduits. Récemment, nous avons eu à introduire de nouveaux modules dont le collègue parlait. Jusqu'alors, le système a eu plus de 400 utilisateurs juste dans le district et chaque région a été capable d'utiliser cela jusqu'au niveau central. Laissez-moi plus parler du module de contrôle du vecteur. Alors, dans le DHIS2, dans le système d'information du paludisme, a 5 formulaires sous cela. Et c'est très important de travailler avec l'application Android. Et cela nous permet d'avoir les rapports à temps, d'avoir les projets, les objectifs annuels et également la distribution d'un moustiquaire imprégné. En remplaçant le système de travail sur papier par le système basé sur Excel, le module a été capable de plus surveiller le système parce que nous avons vu que lorsque nous travaillons de façon électronique, nous arrivons à suivre de près le progrès et voir le travail qui a été accompli jusqu'alors. Également travailler avec le tableau de bord. Voici quel niveau où nous sommes. Alors, nous avons des systèmes d'évaluation de travail. C'est-à-dire, vous savez que le travail n'est pas en place. Alors, l'équipe en place doit vraiment redonner plus de dynamisme dans le travail pour pouvoir atteindre le but fixé. Alors, également sur le module entomologie, ce module a été ajouté récemment. Trois formulaires sont au niveau de la collecte des données lorsque nous faisons notre travail. Faisons également la collecte des données pour savoir comment faire la distribution des moustiquaires imprégnés. Le partage également, la distribution des insecticides. Nous avons également fait une analyse sur certains comportements humains. Alors, pour voir comment est-ce que la transmission de la maladie peut se faire par niveau. Voir si les gens sont toujours dans l'utilisation des moustiquaires, des insecticides ou pas, on peut analyser toutes ces données en collaboration avec les cas qui sont déjà là et comment la maladie se répand pour voir à quel niveau est-ce que nous allons exactement. Parce que ceci rend le travail plus facile à faire et à analyser. Également, cela nous permet d'avoir une réponse, une analyse plus rapide. Avec le DHS2, nous avons été capables d'intégrer les données collectées dans le système d'information générale sanitaire au niveau national. Nous sommes en train de passer à la capture Android. Geolocation, geoposition. Les utilisateurs peuvent envoyer leur géolocalisation de certains cas afin de pouvoir localiser cela de façon rapide et voir comment repérer les lieux de façon plus dynamique et transmettre une réponse rapide. Avec le tableau de bord qui nous permet de visualiser la composition des données, la distribution, l'analyse des comportements. Parce que vous savez, le Namibie est un grand pays. Les insecticides que nous voyons. Dans chaque région, dans chaque district, nous partageons les moustiquaires et les insecticides. J'ai encore juste une minute. Ça, c'est ma dernière. Alors, concernant les succès,
Alors, la plupart des données de lutte contre le racisme ont été décrites dans un système de gestion centrale des données permettant également une supervision, une analyse, également une gestion d'état. Également, des systèmes de formation ont été fournis pour pouvoir permettre réponse de qualité parce que nous devons former les gens qui font le travail de façon qualitative. Ils ne sont pas encore vraiment habitués au système DHSE. Ceux qui viennent juste de travailler ont besoin également de la donnée. Alors, en ce qui concerne les perspectives, nous devons continuer à intégrer le DHS2 dans plusieurs offres que nous proposons aux gens par niveau afin que les gens n'attendent pas la réponse qui traîne par moment. Et devons mettre à jour la version 2.21 du système DHS2 pour obtenir la toute dernière version parce qu'il y a certains Android qui ne sont pas compatibles avec la dernière version. Nous parlons également de comment nous pouvons améliorer notre système à tous nos partenaires. Merci beaucoup. Merci, Aman. Beaucoup pour cette présentation. Je pense que dans les quelques minutes, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire.